Le président de Canal Plus m'a dit ma tarada et Kevin Mayer, le président du conseil d'administration de DAZN, était ensemble à Roland Garros de quoi faire parler pour la Ligue 1 et la Ligue 2 qui chargent leur diffuseur. On apprend par ailleurs que beIN Sport aurait accepté de diffuser les 8 matchs restants l'année prochaine. On apprend que la majorité des présidents sont pour une Ligue 1 à 20 clubs, à 18 clubs, qui ne verra pas le jour avant la saison 2023, 4 descentes et 2 montées, des exercices prochains avec un barrage et une montée, ou encore 2 descentes et une montée pour une Ligue 1 à 19 clubs en 2022-2023 et à 18 clubs en 2023-2024, la DNCG se montre favorable. Je vais... Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que cela est bien, mais que c'est dommage parce que c'est les diffuseurs qui dictent ce que la Ligue doit faire quant aux dirigeants. Ils ne prennent pas de décision, ils subissent les droits télé. De plus, ils ne remettent pas en cause le fonctionnement du foot français. Qu'en pensez-vous pour le rendre le plus attractif possible, comme en Allemagne ou même en Angleterre ou même en Italie où on voit que c'est moins défensif de plus porter vers l'offensif. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube.